Bonjour Guillaume. Oh, la hotline. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Le monde va mal. Très mal. On ne se met pas à la place des autres. On manque totalement d'empathie. Moi, j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice et mettre en ligne un dispositif qui permet de voir le monde à travers les yeux d'un autre. L'idée est simple. On upload une image. Ok. On choisit la personne qui la regarde. Un daltonien, un myope, un bébé, un chat, que sais-je. Et le résultat, c'est comment lui voit cette image. C'est possible de faire ça? Ah oui, c'est possible, Guillaume. Mais c'est seulement à partir d'une image numérique qu'on va pouvoir faire du traitement d'image. On ne pourra rien faire à partir de votre photo tirée sur du papier. Ah oui, ou alors faudra la scanner pour la numériser, autrement dit, la transformer en données. Une photo numérique, c'est des données? Oui, ce sont des informations stockées sous forme binaire. En fait, une image numérique, c'est un tableau constitué de lignes et de colonnes. Chaque case de cette mosaïque contient des données sous forme de pixels. Plus une image dispose de pixels, plus elle contient d'informations et plus elle est précise. On parle de définition. La définition d'une image de 6000 pixels de longueur par 4000 pixels de hauteur est de 24 millions de pixels ou 24 mégapixels. Il ne faut pas confondre avec la résolution, qui, elle, concerne la taille du pixel. On utilise principalement cette notion de résolution lorsqu'on veut imprimer un document. Mais bon, ne nous égarons pas. Les pixels ont chacun une position et une couleur, ou plutôt trois, rouge, vert et bleu, dont on peut faire varier l'intensité. Mais il est tellement petit que notre œil les superpose et ne voit plus qu'une seule couleur, et in fine, une image. Ah oui, je vois, c'est un peu comme avec les tableaux impressionnistes. Alors si je veux modifier la couleur de mon image, il faut que je modifie la couleur de chaque pixel. Oui, c'est ça. Heureusement, les pixels sont des données numériques. Ils peuvent donc être manipulés automatiquement grâce à des algorithmes. Le programme va balayer toute l'image méthodiquement et appliquer la recette pixel par pixel. C'est d'ailleurs ce que fait votre logiciel de retouche d'image. Vous pouvez ainsi manipuler les valeurs des pixels pour que l'image change de couleur, passe en noir et blanc. Vous pouvez aussi comparer les valeurs des pixels ou de groupes de pixels voisins entre plusieurs images pour détecter un mouvement, par exemple. C'est exactement ce que fait le stabilisateur de votre appareil photo pour obtenir une image nette. Ah ouais, fastoche. Par ici mes petits pixels, je vais modifier votre couleur. Hop, hop. Voilà, mon ordinateur voit comme mon copain Bob qui est daltonien. Il a pas l'air de voir grand-chose, là. C'est tout palo. Ah, Guillaume, simuler la vision, c'est peut-être pas aussi simple. Quant à l'ordinateur, lui, contrairement à votre copain, il ne voit rien. Voir, c'est aussi savoir ce que l'on est en train de regarder. Et pour cela, il ne suffit pas de savoir de quoi l'image est constituée, mais aussi être capable d'en interpréter le contenu. Et ça, c'est une autre affaire. Pendant longtemps, les chercheurs ont joué avec les pixels en misant sur la reconnaissance de formes via la détection des contours ou la reconnaissance de régions colorées. Mais c'est une toute autre méthode qui semble le mieux fonctionner aujourd'hui, basée sur l'apprentissage machine. On entraîne le programme à reconnaître des pommes en lui fournissant de très nombreux exemples et des contre-exemples, et il finit par reconnaître des pommes. Ensuite, les chercheurs se posent d'autres questions, comme savoir si la pomme est posée sur une table, si elle est plus grande ou plus petite qu'un pigeon, etc. C'est ce qu'on appelle la vision artificielle. Et si on peut aider un ordinateur à mieux voir, est-ce qu'on pourrait aussi aider mon copain? Ah oui, je sais que la recherche planche actuellement sur des implants permettant de restituer des perceptions visuelles à certains malvoyants, et ça, en direct. Mais pour les daltoniens, je sais pas. Bon, si je comprends bien, la photographie numérique et ses algorithmes de retouche d'image, c'est un peu la pomme qui cache la forêt.